Il arrête pas de me parler. Ah, en plus, on m'entend mal parce que j'ai pas mal mis mon brico. C'est juste madame la, la merde. Qu'est-ce qu'il me veut lui? J'ai libéré ces femmes. Putain, j'ai rarement vu un endroit aussi glauque. Ah si, mais j'ai libéré les femmes, je dois pas le refaire. Ce que ces crevures de pecno sont en train de faire. Dès que je mets la main sur Jackson, j'en finis avec tout ça. Merle a envoyé des Macs dans tout Delray. Ok. Il veut rattraper la thune qu'il a perdue. Liquide-les et il pointera son nez au club. D'accord. Quand on aura fini avec eux, reviens. Je saurai si Merle s'est ramené au club. Parle à la voix de Delray. Faut que je le refasse. Objectif. Vous avez maintenant de nombreux objectifs disponibles. Sélectionnez les objectifs de la carte ou depuis le panneau d'objectif. Voir la carte, voir le panneau d'objectif. Ok, c'est pas ça. Il y a écrit X pour voir le. Parler à la voix de Delray. Parler à la voix de Delray. Dommage restant. Mais je viens de le faire. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je viens de le faire, lui parler là. Merle va payer pour ce qu'il a fait aux filles dans ce club. Grâce à toi, on peut pas dire qu'ils ont trop de clients là-bas. Continue comme ça. Je comprends pas. C'est quoi ça? Barre de Samy, argent de poche. Placez votre argent dans le coffre en bas. Delray Hollow, ainsi va la chair. Ok, on va y aller. Allez mon petit Lincoln Clay. Tout à l'heure je me suis fait chier à prendre mon bateau parce que j'avais peur qu'il puisse pas remonter, mais si si il peut remonter. Allez, on y retourne. C'est bon, il laisse passer. Pourquoi faut que je retourne là? Putain, c'est où? C'est là. Ah voilà, c'est bon, j'ai un seul cinématique. Tu passes tes journées à cavaler, je me suis dit que ça te faciliterait la vie. Tu peux te servir de ça pour appeler des renforts. Moi qui te prenais pour un pauvre égoïste. On en reparlera. Au fait, Miss Lancaster est déjà au parfum et prête à y aller. Ok, traquer et éliminer les patrouilles de Dixie. Radio portable, nouvel équipement acquis, radio portable. Comment je fais pour me barrer, putain? Putain, elle est où la sortie, frère? Ah, c'est la chambre. C'est la salle de bain. Putain, elle est sale ta salle de bain. Elle est là, la porte. Appelez des associés. Vous pouvez maintenant appeler vos associés grâce à la radio fournie par Donovan. Vous n'avez plus à attendre que les trafiquants d'armes se pointent. Vous pouvez l'appeler pour vous faire livrer les armes et l'équipement qu'il vous faut. Ok, on peut appeler maintenant le trafiquant d'armes. Voilà, on a enlevé la radio. Mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Il y a un point rouge qui s'allumait. Transgression territoire ennemi. C'est bon?
moi je l'ai tué, ouais. Et alors? Il y a les keufs en bleu. Attendez. Je comprends rien à ce qu'il faut faire. C'est quoi ça? On va aller là. Tuer les mecs de merle. Ah voilà. On va tuer les mecs de merle. Putain, elle est pourrie ta caisse. Alors, faut traverser là. Ouais. Faut traverser. Bip bip. Ouais, c'est bon, on arrive. Ça va être là. T'es mal comment elle s'est jetée, la dame. Eh, faut pas avoir peur comme ça, hein. Allez, on y va. Putain, il est pas mort, fils de pute. Il est dead. Il est mort. On prend la thune. Et encore un enculé. Voilà. Gator alerté. Pression, dégâts terminés. On se casse. On se casse. On a fait le taf. Voilà. Quand vous aurez fait ce moment de dégâts pour réduire les gains d'un trafic à zéro, vous pouvez retourner voir votre contact pour en savoir plus sur le boss de trafic et tac 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 tac. Vous avez un. Ouais, donc c'est ça, c'est le truc des quartiers là. Témoins. Les témoins sont des civils qui n'hésiteront pas à appeler la police s'ils vous voient commettre un crime. Ah, ok. Faut que je fasse gaffe aux témoins. Ouais, on se casse, on se casse. Salut mon frère. Lincoln, ça me fait plaisir, Pop. Parlez à la voix de l'oreille. Si vous continuez, tous les objectifs de trafic inachevés seront supprimés. Ok. Ah, merde, ce terre au père là. Pareil qu'il crève de rage. J'aimerais bien voir sa tronche à ce connard. Qu'on se mette bien d'accord, ok? Une fois que je suis dedans, je descends tous les connards qui se mettent sur ma route. Personne va pleurer pour ces salauds. Fais comme tu le sens. À la prochaine, Lavo. Tu es Merle Jackson. Bon. On a un taf, c'est tu es Merle Jackson. À toutes les unités, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Ouais, ils arrêtent de me chercher, c'est bien. Elle peut pas grimper là. Chier, putain, je suis obligé de faire le tour. Mais là, on est bloqué. Putain, mais on est revenu au même endroit que tout à l'heure. Ah ouais, putain, faut que je redéfonce là. Bon, ok, on va tout défoncer. Coucou l'ami, c'est re-moi, je me casse, t'inquiète. Je fais que passer. Bon, on va retourner au club de strip. On va retourner au club de strip.
Appelez les associés. Vous pouvez maintenant appeler vos associés grâce à la radio fournie par Donovan. Noël Bug attend que le trafiquant d'armes se pointe. Appelez un associé à maintenir LB, puis sélectionnez l'associé avec R. Voilà. J'ai besoin de matos. Il paraît que vous êtes l'homme de la situation. Cassandra a dit que tu risquais d'appeler. J'aime bien apporter mon aide, mais je fais pas la charité non plus. Non mais je m'en fous en fait, j'ai pas envie que... J'ai pas envie de ça en fait. Moi j'ai ma carabine, frère. Il refuse de passer les champs de manifestants. Comment il est? Comment ça va? Faute aux autorités. Voilà, frère. Change d'arme. Qu'est-ce qu'il a, le cadavre? La Théma! Théma, ce qu'il me fait! Il danse la polka! Il danse la polka! Il se fait rigoler, putain. Alors, attendez, parce qu'il y en a un qui tire. Toi, t'es dead. Parfait, on prend ça. Il y en a qui me tire dessus, moi. Putain. Je vois plus personne en rouge. Un seul moyen de sortir de là, c'est de rester groupé. Ouais, ok. Caisse d'armement. Là-bas, il y a une caisse d'armement. Ah, elle est là, la caisse d'armement. Il y a un mec là-haut. Ok. Il est pas là. On va voir s'il est toujours là. Je parie qu'il est revenu. Trouvez-le. Il est là. Voilà, parfait. Lui, il est là-haut. Là, dans les escaliers, il n'y a personne. Ok, on va monter. Il est là, cet enfoiré. Il est là. Pour galoper et trop jeune pour mourir. Il est mort ou pas? Dessus là, c'est un mec là-bas. Je me mets en place. L'autre il est en bas. Il est mort ou pas? Ok, l'autre il est là. Je pensais être prête à mourir, mais non. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Shelgar qui bat la chamade. Sortez de là. Emmenez les enfants. Cette ville, c'est vraiment un petit merdeux. Bonheur aux anciens. On a perdu sa trace. Cette pute noire veut jouer. Faut que je change de tactique. Il est mort. Il est mort. Oh mon dieu, je crois que je fais une attaque. Ouais, mais c'est bon, il est mort, non?
quoi ça là-haut là? C'est quoi le truc de là-haut? Ça c'est pour sortir. Mais je vais pas sortir. Faut que je monte sa mère. Là il y a des escaliers qui vont me faire monter. Dégage la vieille. Je peux pas rentrer là. Faut plus t'en ailles. On doit partir d'ici. C'est dangereux ici. Putain. Je n'oserais pas tuer une vieille dame. Fils de pute. Qu'est-ce que tu veux ? Des boss de trafic. Neutralisez les boss de trafic pour en prendre le contrôle, puis contactez un de vos colonels qui enverra des renforts pour sécuriser les lieux tués. Merde, Jackson dit la gâchette pour arrêter son trafic de prostitution. Encore une fois, comment un foutu négro a pu se balader ici sans avoir le moindre problème? Je t'écoute. Il est là, juste là. J'ai besoin d'aide, bordel de merde. Je compte pas mourir aussi facilement. Fils de pute. Alors, tu vas faire quoi, le négro ? Ça. Voilà. Réseau de prostitution sécurisé. Bon, on a réussi. Nightclub Perla, mission trafic. Zemi hurlant x2 demi-poupée. Deux poupées Zemi hurlantes sont rajoutées à votre inventaire. Revenu actuel 0. Augmentation, information. Assigné à Cassandra. Voir les améliorations de l'association. Assigné à Cassandra. On a chassé ces enfoirés de Dixit chez Perla. Demande à tes hommes de boucler les lieux. D'accord. Mes hommes vont aller s'occuper des lieux. Fais sortir ces fils de pute de Dixit retranchés dans l'église. Et Richie devra riposter. Ah, c'est bon. Je suppose que c'est les nouveaux hommes qui vont prendre le contrôle du commerce. Bon, qu'est-ce qu'il va là ? En 1966, le FBI m'a recruté à la sortie de la fac. J'ai d'abord été affecté à Atlanta, puis on m'a transféré à New Bordeaux début 68. J'y suis resté jusqu'en 86, quand j'ai été promu directeur adjoint de la section crime organisé. Je suis resté au FBI jusqu'à ma retraite en 1999. On raconte énormément d'histoires sur Cassandra. Enfant, elle aurait été enlevée, tuée et ramenée à la vie par un prêtre vaudou. Elle aurait assisté au viol et au meurtre de sa sœur par des malfrats. Elle aurait abattu son propre père et abandonné son corps dans les marais. Bien sûr, impossible de démêler le vrai du faux. Ok. Pitié ! Fichez le camp ! Bonus d'association Zemi Hurlante, un outil de diversion à distance. Zemi Hurlante. Le Zemi Hurlante attire des troupes d'ennemis vers elle. Vous en avez reçu gratuitement et vous pouvez en acheter au trafiquant d'armes. Ok. Ah, c'est plus un strip club. Elle danse bien la gonzesse. C'est devenu un bar tranquille, ça va ma sœur? Ah, excuse-moi, 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 l'ami. On a récupéré un peu de thunes.
Par contre, j'aimerais bien sécuriser mon pognon. Oui, il l'a récupéré par terre, ok. La communauté a besoin de cet endroit, monsieur Clay. Désolé. Quelque part où les gens peuvent oublier leurs soucis et prendre du bon temps. Attendez. Mais ça a l'air d'être un lieu à moi là, je vois que je peux changer de tenue. Armoire, pharmacie, ça c'est ma caisse. Caisse d'armement. Putain. C'est quoi ça? Casier d'armement. Armoire, pharmacie. Je m'en fous du casier d'armement en fait. Quoi cette lumière? Il y a du pognon là, on va récupérer. Excusez-moi les musiciens, et bonjour tout le monde! Pour me changer. Non, c'est où? Il y a du pognon partout ici. Hein. Bon, vas-y, on va se casser. Tu m'as saoulé. On va chercher un endroit pour planquer le pognon. Fais voir. C'est quoi ça déjà? Cassandra, John Donovan, barre de Sammy. Voilà, moi ce que je veux c'est le bar à Sammy là. Il est là-bas. Allez, casse-toi parce que y a l'autre qui va appeler les keufs là-bas là. Et y'a rien de volé, je l'ai emprunté, je l'ai pas volé, je vais la rendre la bagnole, elle est pas à moi. Bon. C'est où ma baraque? C'est là. Oh putain, le bar, ils m'ont défoncé, frère. Défoncer le bar. Ok. Je suis là. Donc là, c'est dead. Les escaliers. Pour aller à la seule partie du bar qui est pas cramée et qui tient encore à peu près la route. Il faut que je trouve mon coffre. Il est là. À toutes les unités, les recherches sont annulées. Je répète, abandonnez les recherches. Retournez patrouiller. Parfait. Nickel, j'ai mis en stock ma thune. C'est où déjà pour changer? C'est là. Ouais, c'est là. On va voir si... J'ai vu que j'avais une nouvelle tenue, on va voir c'est quoi. Non, c'est pas là. Après, non. Et après, non. J'ai pas volé ma putain de tenue. Bon, je vais rester comme ça, je suis un beau gosse comme ça. Ok! Il faut que j'aille le voir lui. Putain, je vois, je connais rien en fait. Le jeu, je suis vraiment au début du jeu. Je suis vraiment au début du jeu.
Frisco Field. C'est quoi ça? Fantôme du Bayou. J'ai envie d'aller faire un tour au centre-ville, vous savez quoi? Allez. Allez, on va se faire un petit tour au centre-ville avant de poursuivre la mission principale. On va aller voir ce qu'il y a comme activité dans le centre-ville. Alors. Bon, on va reprendre la caisse que j'ai tapée. Pardon, papy, je suis pressé. Faut que j'aille m'amuser. Allez, on y va. Centre-ville. Ah, le problème, j'ai plus une thune aussi. C'est un petit peu con parce que je suppose que je vais devoir payer pour m'amuser. Mais j'ai tout mis dans mon coffre-fort. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Une bagnole de merde. Bon, bah, je suis pas poursuivi. En tout cas, personne ne vient me faire chier. La 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 la. C'est vrai qu'on s'emmerde sans la musique, mais bon. Sinon, je vais me faire strike. On est dans le... On y est. Centre-ville. Bah ok, c'est là le centre-ville. Alors là, voilà, là ça m'a l'air d'être en construction. Et une belle une petite statue, on descend. Hop là! Regardez-moi la statue là. Ah, il y a une belle statue. Elle n'a pas été déboulonnée celle-là. C'est qui? Valiant héros. Ok, ok, ok. Ok. Là il y a un petit magasin, mais visiblement je peux pas y aller, il y a un parking ici. Ah, bah, c'est en construction, là ça m'a l'air d'être la mairie. Hein. Quelques munitions et c'est bon. Après la semaine de merde que je viens de passer, un peu de chasse et de picole avec les gars, ça me fera du bien. Peut-être. Et fermé, il veut faire ma pièce d'identité. Pourquoi c'est fermé? Vous êtes trompé, messieurs. On est ouvert de 8h30 à 10h. Il faut pas venir après, hein. Parce qu'après on a les pauses à gérer, la pause méridionale, la pause café, on peut pas tout faire, monsieur. Ah putain, les fonctionnaires. Bon, mais ça m'a l'air bien pourri ce quartier en fait. C'est le centre-ville, mais il y a rien en fait. Poussez-vous. Il y a que dalle dans ton centre-ville, c'est quoi ça? C'est une laverie? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il y a? Recule tout de suite, négro. Fils de pute, va. Fils de pute, tu me traites pas de négro. Comment ça, homicide? Ouais, je l'ai tué. Je l'ai tué. Fils de pute. Traite de sale négro. Attention. Si je ne me retenais pas, je vous giflerais. Attention. Bon. C'est bon, là, ils vont arrêter de me chercher, je pense. Soft. Le Coca-Cola. Électronique audio. Print shop. Est-ce que je peux rien faire parce que je dois continuer à avancer dans l'aventure ou est-ce que... Parce qu'il y a vraiment rien dans cette putain de ville de merde. Centre-ville, il y a rien. Il y a rien. C'est un truc de ouf. Putain, bon vas-y, on va y aller à voir Donovan. Allez, j'ai pas le choix. On va continuer à avancer dans l'aventure en espérant que ça va débloquer un peu le quartier. Ça va vite se faire chier dans ce jeu hein, s'il n'y a rien à faire. Truc de ouf. Au
Finalement, on s'est fait un de ces ports de scuff. Abandonner les recherches. Abandonner les recherches. Abandonner les recherches. Bon, bon, bon. C'est loin ça, ouais. Putain, c'est putain loin. Je me suis éloigné de ouf là pour aller à. Pour aller au centre-ville. Et pour voir qu'il y a rien, tu peux rien faire dans la ville de merde. Truc de ouf. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut chier les camions. La 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 la. Qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, on s'est bien garé. On va attendre. Putain, ça me fait chier qu'ils prennent pas en compte ma nouvelle gueule. Fait chier, putain. Je voulais prendre un peu l'air. Cette héroïne vendue par les Dixie, là, c'est géré ici, par un certain Charlie Kincaid. Ce qui veut dire que tous les autres dealers du coin bossent pour lui. Charlie reste à l'écart autant qu'il peut, donc tu vas devoir lui mettre la pression. J'ai repéré quelques-uns de ces gars. Si tu les fais parler, ils te diront comment le choper. Bon, de ce que j'en sais, Charlie fait seulement ça pour le fric, et pas par conviction, contrairement à tous ces autres enfoirés de Dixie. Donc peut-être que si je le baratine, il pourrait accepter de lâcher Doucet et bosser avec moi. Si j'arrive à le faire sortir. Justement, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, c'est ce que je voulais te montrer. New Bordeaux dispose d'un réseau de communication standard. Donc mettre en place un système d'écoute efficace, ça devrait pas être trop compliqué. T'as juste à installer cette petite merveille sur un boîtier de raccordement, et je pourrais établir une cartographie complète de tout le secteur. T'en as encore combien de ces trucs? Juste ça. C'est des composants surveillés par la CIA. Mais si t'arrives à en trouver d'autres, tu peux mettre toute la ville sur écoute. D'accord. Putain de merde. Ces connards qui pensent que vivre sous un régime communiste est la solution. Ils ont qu'à se casser à Moscou. Si t'en trouves d'autres comme ça, tu me les ramènes. Je trouve que tu t'en fais un peu trop. Qu'ils aillent se faire foutre, putain de traître. On se voit quand il sera temps d'agir contre Charlie. Comment ça, tu n'aimes pas le communisme? Incroyable. Staline. Poutine, n'est pas content. Mettez l'église baptiste sur écoute. Pour mettre les trafics sur écoute téléphonique, forcer les boîtiers de raccordement que vous trouvez dans la ville. Mettre les trafics sur écoute permettra de Donovan d'indiquer sur votre carte les cibles importantes et les éléments à collectionner indiqués. Voilà, c'est ça que je veux. Ah, sa mère, attends. Voilà, c'est bon. C'est ça que je voulais, putain. L'écoute téléphonique permet de révéler la position des ennemis sur la mini-carte, d'indiquer les cibles importantes. Et tu me l'as déjà raconté. Lorsqu'une partie précise de la ville est mise sur écoute, il est possible de voir les ennemis au coin des rues et même à travers les murs. Ok. Pour installer un dispositif de mise sur écoute sur un boîtier de raccordement, vous aurez besoin de fusibles TL-49. Récupérez ces fusibles éparpillés dans New Bordeaux. Voilà. Ah, voilà. C'est quoi ça? Voilà, il y a un autre fusible. C'est quoi ça? Il y a une station essence, là. Best Oil, ok. Et là, il y a un épicerie Farman. Et là, il y a un vendeur Trifimark. Voilà, il y a des trucs, là. Moi, j'ai pas de thunes. Mais il y a des trucs. Et ça, c'est quoi? Donovan a des yeux et des oreilles dans tout le New Bordeaux, ouais, ok. Saboter le trafic des ruines de Charlie. On va le faire. Mais avant. Et c'est quoi? C'est le bleu là, le point bleu? Pochette d'album. Une génération entière a pu donner une voix à sa rébellion grâce à la musique des années 60. Peinture de Varga. Chaque œuvre de Varga présente en ville a été offerte par San Marcello. Et je veux chercher ça en fait.
putain de taras. Voilà, ça va être là. On va aller récupérer quelques petits... Merde. On va aller récupérer quelques-uns de ces fusibles. Sortir de la zone. Voilà, on va devoir attendre maintenant que l'autre connard qui m'a vu. Ça va ma soeur, tu fumes une clope tranquille, t'es bien là? Ouais ma soeur, t'as raison de te tranquilliser. Là ça va, vous allez bien? J'attends juste que les keufs ils arrêtent de me rechercher et après je me casse. Je peux m'asseoir ou pas? On peut pas s'asseoir. Non, on peut pas s'asseoir. Bon, apparemment, il y a un truc de fusible derrière, je crois. Non, c'est... fais voir la carte. Ah ouais, ouais, il y a un truc de fusible derrière. Pas loin, bah attends, on va y aller. J'ai pété un plomb. Pas moyen. À toutes les unités, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète. Abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Putain, c'est l'âme, machin. J'espère qu'elle sonne père. Écoute. Ça m'a l'air d'être tranquille. Voilà, on a récupéré ce qu'on voulait. On se casse. Perfecto. On va retourner. Je sais pas, mon frère. Oui, c'est là. La beauté, c'est la plus belle noire que j'ai jamais vue. On y retourne. Hop là. Et là, c'est à l'extérieur, logiquement. Ouais, il est là. Parfait. Eh ben, c'est bien. Fusible, il y en a un là, et puis il y a le mec qui est juste là. Tu sais quoi, on va se garer là. Merde. Voilà, on va se garer là. Vas-y, prends la caisse. On va aller pécho le fusible et on va aller voir ce que l'autre il a à vendre. On sait jamais. J'étais juste là. Hey there, Mubordo. It's your Uncle Lou. What are you doing this weekend? Bring the... Pent Lloyd. Heureux de vous revoir, mon jeune ami. Mais qu'est-ce que tu vends, toi? Pourquoi tu te casses? Je veux te parler. Tu vas où, là? Allô? Je sais pas ce qu'il faut. Tirez-vous de là. Ça se fait de dire pardon. Oh, fils de pute. Là, y'a quoi là? Magasin de vaudou, ça. J'entends des bruits chez vous. C'est pour sortir. Et j'ai l'impression que j'ai entendu des bruits très bizarres. Non, là, c'est là, d'accord. C'est la putain de terrasse. Les lois t'accueillent, tout comme moi. Elle est là, tranquille. Shit. Ok, bon, vas-y, on se casse.
Je sais pas c'est quoi ces bruits chelous. On va retourner. On va retourner chercher l'autre fusible là. Il est où? Il est à 80 mètres. Parfait. Je vois rien. Ah ok. En plus je vois qu'il y a des mecs qui sont pas contents. Ouais, il y a personne ici. Mais c'est qui fait Il est là. Parfait. Bah parfait. Hein. Exit. Bah voilà. Parfait. Ah, j'ai mal. C'est quoi les points bleus déjà? Magasin Hot Drug, figure emblématique de l'automobile qui a signé l'avènement de l'époque. Ouais, ça fait. C'est quoi ça? Le magazine numéro 1 des gentlemen du pays. Peinture de Vargas. Ouais, on va aller choper ça, j'ai envie. Bon, je suis là. Alors. Mère. Voilà, tu vas aller là-bas. C'est où mon chemin là? Ouais, c'est par là-bas. Putain, je m'éloigne. Quoique, il y en a un là aussi. Ah, il est là. Et on va rentrer dans la maison, à mon avis ça va mal se finir, mais on va rentrer quand même. Après avoir récupéré ce truc là. Putain. C'est où? C'est là? Ah, c'est pas là. Un de ces droits civiques qui ne s'applique qu'aux blancs. Voilà, ça va être là-bas. C'est là-dedans. Voilà, on a récupéré ce qu'il nous fallait. On se casse, on reste pas. Parfait. Et donc là, allez, là, il me faut une bagnole. C'est quoi ça? Boîtier de raccordement. Ah, voilà, c'est là. Bon, écoute, on va quand même aller là-bas. Pour récupérer le dernier. C'est là la station essence. Un plaisir de vous revoir. Mais ils vont quoi, putain? À chaque fois que j'arrive, ils se cassent, putain. J'ai plus de la gueule ou qu'est-ce qui... comment ça se passe? Bah justement, il y en a un là-dedans. Attention. Bouda caca. Bonjour. Comment ça va? Je me casse. Où c'est vous? Ouais, recommence pas. Ok, ça c'est quoi? Magazine Hot Rod, figure emblématique de l'automobile. Ouais, je m'en fous. Je l'ai lu tout à l'heure. Magazine Playboy, le magazine numéro 1 du gentleman du pays.
Bah vas-y, on va chercher le Playboy. Il est par où le Playboy? Il est là-bas. On y va! Allez, allez, allez! Playboy Magazine! Pardon, madame, je suis pressé! Ah, c'est là-dedans. Bon, faut que je fracture cette merde. Là. Parfait. Un petit Playboy Magazine. Voilà. On est content. Bon, et après, ouais, après, on va aller récupérer ça, là. On va aller récupérer ça, il me faut une bagnole. C'est par où? C'est là-bas. Parce que si j'y vais à pied, ça va être un peu long. Attendez, c'est quoi, ça? Peut-être que c'est ça ferme. Je vais vendre de la bouffe. Salut, toi. On y va à pied, allez, hop. On y va à pied. Je le sens pas, le truc de la maison là-bas. J'ai l'impression qu'il va falloir que je rentre par effraction. Ça m'a l'air d'être grand. Grâce à l'approche à couvert, vous pouvez facilement passer derrière les ennemis. Ouais, ouais, je sais, je sais. Vas-y. Viens, viens, viens. Viens par là, Ritanos. Parfait. Alors, il y en a deux là-bas. Et il y en a un là-bas. Armoire à pharmacie. Là-haut, je vois qu'il y a son père. Comment on va faire? On va se planquer derrière la caisse. Dorine est encore en cloque. Félicitations. Comme si j'avais besoin d'un autre moutard dans les pattes. Je lui avais dit de prendre la pilule, mais elle est trop gâteau pour ça. Tu sais quoi? Il ferait mieux de faire comme moi. Lui, il est tout seul, sa mère. Oui, là, il n'y a personne. Hein. Ce serait sûrement moins cher. C'est sûr, mais si Dorine me chopait, elle m'arracherait les couilles aussi sec. Ah, ça y est, il bouge. Ah, il bouge, sa mère. Attendez. Lui, il s'est barré. Lui, il bouge là. Maintenant, ils sont en train de discuter, les deux connards. Il y a deux là, il y a deux là, il y a deux là. Putain, ils sont partout. Il y en a un là-bas. Là, je vois rien. Si, il y en a un là-bas. Mais là, je suis bloqué là. Je suis bloqué là. Est-ce qu'il y a un passage par le toit? Il y a une cheminée, je suis Papa Noël. Il y a que dalle. Ah, il y a un poste de sniper.
planté. On va essayer d'être discret. Hey, porte un masque, va cause du coronavirus. Charger mes armes ou pas? Voilà, c'est bon, j'ai rechargé. Ok. On y va à la discret. On a récupéré le pognon. Ça là. Peinture. 4 sur 4. On a tout récupéré. Il y a du pognon. Ok. Il y a du pognon encore là. Comment la radio peut pas, putain, fait chier. Il y a du pognon là, on y va. Ma saille, j'ai pas besoin. Je suis bien. Alors. Risqué là. Joue risqué de ouf. Parfait. Il y a encore du pognon là, on va le récupérer. Ménard, je voulais pas changer d'arme. Tiens, il y a encore. Bon. J'ai envie de finir le travail en fait. Le problème, c'est les deux là-bas. Et les deux là-bas. On va essayer de s'approcher. Je déconne pas. T'es au courant pour la malédiction que cette sorcière a jetée à Bobby? Bobby était un crétin. Et tu vaux pas mieux que lui si t'avales toutes ces conneries vaudou. Il paraît qu'il a jamais pu s'en remettre. Putain. Il a eu un accident de bagnole. Il arrivait plus à dormir et il a commencé à perdre ses cheveux. C'était rien que dans sa tête. Ah ouais. Et pourquoi il s'est flingué? Ça c'est quoi ça? Trouvez-moi ce fumier. Putain, il vise pas. Arrosez-le depuis l'autre côté. Ah, ils sont plus que deux là-bas. Faites dégager cet enfoiré.
Bon, on a nettoyé la zone, hein. Ah, c'est bon, on a nettoyé la zone, en fait. Ah, c'est bon, ils sont morts. Zone hostile, héros. Bon, ouais, c'est bon, bah voilà, on va se casser. Hein. Allez. Quoi, putain. Ok, je vais me poser. Non. Voilà, c'est quoi ça? Voilà, donc on va passer notre argent de poche là-bas. Et puis on va faire la pause. Dégage-toi. Tutu. Voilà, parfait. Perfecto, mi bambino. Ah putain. J'avais pas vu le virage. Là, j'ai pris une bagnole de merde. Allez. Je suis là. On va mettre notre pognon en sécurité. Non. Là. Parfait. Et on peut faire un petit dodo? Est-ce qu'on peut faire un petit dodo? On peut pas. On va se quitter là-dessus, les gars. Voilà. Ça, c'est bien.